Bonjour, je me présente Thierry, je suis conseiller technique à la Fédération française de la montagne et de l'escalade et je vais vous présenter comment orienter une carte. Orienter la carte, c'est quoi? C'est tout simplement tourner la carte pour faire coïncider ce que je vois devant moi avec ce qui est représenté sur la carte. Ça sert à quoi? Ça sert à faire plus facilement la correspondance entre les éléments du terrain et les éléments de la carte. Donc, comment procéder? Ben, je vais choisir une ligne, par exemple une lisière, un cours d'eau, un chemin. Donc pas un point, mais une ligne. Quand j'ai trouvé cette ligne, quand je me suis décidé sur cette ligne, je vais essayer de retrouver sa représentation sur la carte. Et après, je vais tourner ma carte pour que la direction de cette ligne corresponde dans les deux cas. En résumé, orienter la carte consiste à faire coïncider les deux directions, la ligne du terrain et sa représentation sur la carte. Donc pour orienter la carte, je n'ai pas choisi la solution de facilité puisque j'ai essayé de faire coïncider deux lignes, la ligne du terrain et sa représentation sur la carte. Il est plus simple, si vous êtes muni d'une boussole, vous allez faire correspondre la direction nord-sud de la carte avec la direction nord-sud de l'aiguille aimantée, sachant que sur la carte, la direction nord-sud est donnée par le bord de la carte, sachant que le nord est toujours en haut, et sur la boussole, c'est la partie rouge de l'aiguille qui indique le nord. Maintenant, vous avez tous les éléments pour orienter la carte, c'est-à-dire la faire tourner pour que ça corresponde à ce que vous voyez sur le terrain.